vidéo, donc c'est une sorte de récapitulatif de mon année 2017. Donc j'en avais déjà fait une pour mon année 2016, mais c'était en vidéo toute simple et sans parole. Et là j'avais envie de changer un peu et faire un truc plus original, enfin voilà. Du coup, en parlant, je vais vous mettre des vidéos et des photos en même temps que je parle en fait. Du coup, comme ça vous verrez de quoi je parle, enfin. Voilà, vous m'avez compris, je pense. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon petit cahier, j'ai un peu noté les trucs importants à dire, voilà. On va pas s'attarder sur l'intro et on va commencer tout de suite parce qu'on a une année à présenter. Je vous laisse avec la suite. On va dire que pour moi, mon année 2017, elle a vraiment commencé quand on a changé d'écurie. C'était vraiment un nouveau départ, une nouvelle aventure pour nous et voilà. Donc je tiens à préciser qu'à cette époque, je n'avais toujours pas remonté Kébel et ça faisait 6 mois que j'avais pas été sur son dos. Notre véritable année 2017 a commencé fin mars, donc le 31 mars. En avril, je faisais beaucoup de balades à pied et de travail à pied pour essayer de reconstruire notre confiance qu'on avait perdue suite à ma chute qui m'a fait que je n'ai pas monté pendant 8 mois. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo qui explique en détail cette chute. Qui s'est passé en septembre 2016. En mai, il n'y a rien de particulier. On a fait comme en avril, des balades à pied, du travail à pied, toujours pour consolider, recréer cette confiance. Puis le 4 juin, je remontais sur son dos après 8 mois. Elle était vraiment sage et patiente et je me suis rendu compte que les balades à pied n'ont pas servi à rien. Après ça, nous avons continué à faire des balades et le 30 juin, c'était son anniversaire à Québec. En juillet, on a continué à faire des balades pour se faire plaisir, mais aussi toujours du travail à pied et des balades à pied. Le 30 juillet, c'était nos 1 an et elle m'a offert un magnifique cadeau en ce jour. C'est Enir quand j'arrive. Oh bébé! En août, nous avons continué nos petites balades tranquilles et on est aussi retourné en carrière seulement au pas. En septembre, j'ai pu réaliser 2 de mes rêves. Galoper sans les mains et monter en cordelette. Alors oui, en cordelette, c'était seulement au pas, mais pour moi, c'était déjà un grand pas vers la liberté. Puis en octobre, Kébel a eu une fourbure. On a dû appeler le véto d'urgence. Il lui a fait une piqûre d'anti-inflammatoire et nous a donné un traitement à lui donner pendant une semaine. Et les gérants de la pension dans laquelle on est s'en est occupé. Et d'ailleurs, je les remercie vraiment. Parce que sans eux, Kébel, elle n'aurait pas, elle aurait pas bien guéri. Voilà. S'ils n'auraient pas été là. Après, vers la fin du mois d'octobre, Kébel s'est vraiment bien remis de sa fourbure. D'ailleurs, on était tous étonnés qu'elle se soit si bien remis. Genre, elle avait la pêche et tout. On ne comprenait pas. Après sa guérison, j'ai recommencé à travailler à la longe et à pied et puis enfin remonter le 18 octobre. Le mois de novembre a mal commencé avec une chute en carrière, la deuxième. J'ai pas vraiment compris pourquoi je suis tombée, mais j'avais rien eu, enfin je me suis relevée de suite et elle non plus, elle a rien eu. Elle était plutôt contente d'ailleurs, elle partit au trot comme ça, oui j'ai fait tomber ma cavalière. Je l'ai remontée au pas juste après parce que cette fois-ci, je voulais pas rester sur un échec. Le reste du mois, on a continué à faire des balades, du travail à pied et des balades à pied. En décembre, on a commencé le mois en appelant le véto à cause d'une crise d'asthme. Le véto m'a prescrit un traitement à lui donner pendant 30 jours, matin et soir. Suite à ce traitement, je lui ai donné pendant tout le mois, matin et soir. En ce moment, là où je vous parle, je n'ai pas encore fini le traitement, j'en ai jusqu'au 5 janvier et nous sommes le 31 décembre. Entre temps, j'ai pu recommencer à la travailler à pied après 3 semaines de repos et je la remonterai sûrement en 2018. Voilà, c'est la fin de ces vidéos, j'espère que ça vous aura plu, que je parle et que vous ayez les images en fond pour pouvoir illustrer ce que je dis, voilà. Et je voulais aussi vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes. Passez une bonne année 2018 et profitez à fond de vos proches, votre famille, vos amis. Et souhaitez aussi une bonne année à vos compagnons à quatre pattes de ma part. L'année 2018, ça va être la nôtre, il y a plein de vidéos prévues, j'espère que le temps va s'améliorer. Comme ça, je pourrai un peu tourner dehors pour vous faire les vidéos que j'ai prévues. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao !